Mon autarque, tout a été mis en place. Où sont Radek et Stahl? Le colis est prêt à être livré, chef. Père. Mon peuple, tous les fils et les filles d'Elgan. Aujourd'hui, les vaisseaux ennemis se consumant en orbite, alors que leurs corps mutilés pourrissent dans nos rues, nous remémorent une fois encore toute l'étendue de leur dépravation. Longtemps, nous avons subi des épreuves insoutenables, condamnés par nos ennemis à mourir de maladies, de famine. Ils nous ont blessés et nous ont affaiblis. Mais cette époque est finie. Longtemps, nous avons travaillé le ventre vide, reconstruisant notre puissance, notre fierté, ainsi que notre nation. Mais cette époque est maintenant révolue. Toutes ces années, j'ai eu le grand honneur d'être votre dirigeant. Plus loin, toujours plus loin. Depuis ce jour, jusqu'à la fin des temps. Monsieur, il faut y aller. L'ISA est là. Il y a 6 mois, nos ennemis ont assassiné un grand homme. Scholar Vissari, le père de notre nation. Aujourd'hui, nous célébrons l'espoir qu'il nous a insufflé. Le but qu'il nous a donné. La vision qu'il nous a inspirée. Cette vision est celle du peuple Elgast qui se réapproprie une place légitime au sein de l'univers. Dans de nombreuses années, nous parlerons à nos enfants de ce grand jour. Le jour où cette vision est devenue notre réalité. Allez-y. Attends.
Ils sont en train de l'emmener en salle de diffusion. À vos ordres. Vous deux pour le labo. Allez voir au test de... section des armes. Tous ceux qui travaillent dans les zones sensibles de l'usine doivent obtenir mon feu vert. Avant de poursuivre, fais le plein de munitions, dans la caisse près du stand. On va commencer avec ton fusil d'assaut. Détruis les cibles au centre du champ de tir. Immédiatement. Hey, donne-moi un coup de main. Ok. Attention, tous les pilotes de test sont convoqués au hangar 3 pour les tests prototypes. Qu'est-ce que vous fixez comme ça? En haut des marches. En haut des marches, ne faites pas attendre le président. On y va. Taux d'absorption de pétrusite à 20. Réaction en hausse. Sous-unités 2, 4, 7, 12 et 15 à 19 en surcharge.
3 et 8 étrangers stabilisés. Attention, l'annonce du président à la nation va bientôt commencer. Le personnel prioritaire est prié de se rendre en salle de diffusion. Le personnel secondaire est prié de se rendre aux vidéostations. Lancement à 3. C'est vous, les exécuteurs? C'est par ici. Je sais ce dont la nation a besoin. Je vais combattre ces fléaux que sont la complaisance et la soumission. Ainsi, en l'honneur de Vissari, débutera demain la plus grande campagne militaire que notre histoire ait connue. Et pour fêter cela, je vous offre la justice. La vengeance! Et la mort! De ces assassins! Quoi? Vous! Ouais, moi. Tu vas bien? Non, Rico. Non, je vais pas bien. Il était à nous. On le tenait. Et tu l'as buté. Tu as buté Vissari. C'est ça, sur les berges. RS! Tout à fait. Absolument. À vos ordres, général. Dites-moi qu'il va mieux qu'il en a l'air. C'est cué. Heure du décès, 21h20. Oh, c'est parfait. Tout simplement parfait. Écoutez, soldats, on décolle dans 5 minutes. Faites votre pactage. Delta, vous savez quoi faire. Hooper, des véhicules, vite. Merde, où sont Velasquez et Shevchenko? Écoute, Seb, j'ai juste fait ce qu'il fallait faire. Et je veux bien jurer sur ma tête qu'il répondra de ses actes devant la cour martiale. Capitaine. Sergent Shevchenko, sergent Velasquez. Faut arrêter les frais. Le commandement veut une procédure d'évacuation d'urgence. On retire tous nos hommes de cette planète. On se retire? Moi, je reste là. Cette guerre est loin d'être terminée. C'est quoi, ces conneries? Oh non! Vous allez pas recommencer à me péter les couilles, petit connard de rebelle à la con! Ça ferait mieux de vous expédier au peloton d'exécution, tous les deux! Alors maintenant, tu fermes ta gueule et tu ouvres tes oreilles. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? À vos ordres! Sergent Velasquez, t'es tellement con que t'es pas foutu d'obéir et de fermer ta grande gueule! Capitaine! Ok, écoutez-moi! D'après nos renseignements, un croiseur Elgas met le cap vers notre position. Le général veut qu'on mette les voiles avant qu'il débarque ici. Notre meilleure chance est de traverser le quartier Vissari, puis la rivière Korat. Ensuite, plein est jusqu'au point d'extraction. Un cratère de la taille du Kansas, quelque part sous ce champignon atomique. On n'aura pas de deuxième chance. Alors on la joue carré de A à Z. Bien joué, Hooper. On en a pas beaucoup, mais c'est ce qui se fait de mieux contre tout ce que les X peuvent balancer. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Évacuation immédiate! Go! Sev, va devant, freine-nous un chemin! Allez, allez, allez! Tire dessus! Sur quoi? Tout, bordel! Putain, ça sent doux, ça! Ha ha ha!
Hey, la vache! Sev! Sev, ça va? Ouais. Il y a quelqu'un d'autre? Peut-être par là. Si Narville a survécu, il se dirige. On peut y aller en suivant la route du bas. C'est pas bon, mec. On devrait pas s'enfuir. Les X vont nous choper les uns après les autres. Je vois personne. Attends, il y a un groupe de... On les tue en silence, avant qu'ils nous voient. Donne-là un autre derrière le coin. Tu t'en charges. Où le reste du convoi? Passe en premier. Hé, sergent, par ici! Où sont tous les autres? J'en sais rien. Ils doivent être de l'autre côté de cette place. Jouer. Allez, on y va. Je ne vois pas Narville. La rivière est par là. C'est là qu'on devra traverser. Ouais. Pourvu que tout le monde y arrive cette fois.
Écoute, Seb, pour Vissari, je... Laisse tomber. Je rêvais de le buter. Tu l'as pas fait. Non. C'est parce que moi, je suis pas un gros connard. Écoute. C'est les moteurs de l'ISA, là-bas. C'est bon, je te couvre. Thank you.
Suivez-moi. La voie est libre. Suivez-nous. On va descendre. C'est pas notre objectif, Rico. Cette fois, on s'en tient aux ordres de Narville. C'est quoi ce merdier ? Chaussée, ok. Sergent, attaque en provenance du toit. Des X avec des lance-roquettes. Bien sûr, on s'en occupe. On ferait mieux de monter.
C'est bon, on a réussi. Lancement de chargeur. Regarde. Voilà le reste du convoi, on ferait mieux de descendre filer un coup de main à Narville. Sur tes gardes. En avant! Vérifie ces coordonnées. Tout ira bien. Au travail, fiston. Bien, viens me rejoindre à bord. Shevchenko. Ravi que tu sois là. Velasquez. Est-ce que tout le monde est là? Ce foutu convoi est dispersé le long de la rivière. Il faut sécuriser le cratère au maximum pour l'évacuation. C'est peut-être pas une bonne idée. Plus on s'éparpille, moins les Hellgast nous cueilleront facilement. C'est pas faux. Capitaine, si je puis me permettre, je croyais avoir été suffisamment clair quand je t'ai demandé de fermer ton claque-merde. Sev, emmène cette grande gueule de Velasquez avec toi. J'ai besoin de vous deux sur place. On dégage la route à l'exosquelette. Allez, allez, un peu de nerf. Plus vite on arrivera au cratère, plus vite on sera chez nous. Essaie de pas y penser. Sev, démarre l'exosquelette. Exo 1, début balayage. Contact négatif. Attendez, je crois que j'ai quelque chose. Hellgast. Plusieurs cibles repérées.
Reculez! Zone est sécurisée. Bien. À vos ordres. J'ai compris. Le croiseur de la compagnie. Ils ont repéré une bonne douzaine de vaisseaux Elgas. Une douzaine? Combien de temps ils vont tenir? Assez longtemps, j'espère. Nos croiseurs vont se faire canarder de toutes parts si on n'intervient pas à temps. Capitaine, le reste du convoi est dispersé dans la ville. Je sais très bien où sont mes troupes, sergent. Mais on a déjà pris assez de retard comme ça. Shevchenko, il faut trouver une route qui mène au cratère. Où on va y rester? Vous avez les hammers. Quand vous voyez un blindé Elgas, foncez-lui dans le lard. On défoncera tout s'il le faut. Tant que tout le monde respecte les ordres, ça roule. Avancez coûte que coûte. On manque de temps.